Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se trouve une nouvelle vidéo, mais aussi le début d'une série. On va tout de suite voir ça. Alors les gars, dans cette vidéo nous allons voir comment avoir une aim incontrôlable. Genre tu mets toutes tes balles dans la tête, où tu veux, aux pompes, à la PM, à la AR. Bref, t'as compris, t'en as marre d'avoir un aim de merde, de rater toutes tes balles, de mourir pour rien, de tilt pour rien, de péter ton écran pour rien. T'en as marre de voir des joueurs pro perf alors que toi tu pues la merde. Mais frérot, la vidéo elle est faite pour toi. Du coup les gars, c'est parti. Juste avant que cela commence, je tenais à préciser que ça c'est le premier épisode d'une série qui se titulera Comment devenir joueur pro. Sans Fortnite bien sûr. Ouais, un truc comme ça t'as gâté, je sais pas si ça va être ça, mais bon. Du coup les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tu connais la chanson et let's go, hein, c'est parti. Aussi les gars, toutes les maps utilisées dans cette vidéo seront en description. Donc c'est parti. Déjà, on va commencer avec l'aim à la PM. Du coup, on va utiliser cette map. Rider 1v1 Trainer. Vous mettez en public. Le code sera en description, les gars. Vous mettez jouer. Et c'est aussi simple que ça. Là, vous mettez en public. Bon, si vous êtes avec un pote, vous la faites avec votre pote. Moi, bon, là, il n'y a personne. Du coup, je vais la faire en public. Mais bon, je vais vous montrer comment c'est. Du coup, les gars, vous mettez la map, vous lancez. Avec votre pote, les gars, c'est du 1v1 aim. C'est pour train votre aim à la PM ou. Moi, je vais vous montrer c'est quoi les meilleurs. Du coup, bon, elle a quitté cette fille de chien. Faut que je trouve un mec parce que. Bref, c'est pas grave. J'espère qu'il y a un mec qui va rejoindre. Déjà, les gars, vous rentrez, tac, c'est un Deagle. Là, vous pouvez rentrer à 2000 HP, 4000 HP, 6000 HP, 10000 HP. Moi, vous rentrez à ce que vous voulez, je suis rentré à 2000. Ensuite, en gros, les gars, vous avez. Vous choisissez. Bah, ici, il y a plein de trucs en fait. Ici, c'est ça, c'est par exemple. Hop. C'est tout ce qui est, par exemple. Hop, tu prends plus de PM. Il y a un mec qui a rejoint. On va l'apparaître. En gros, c'est tout. Du coup voilà, là par exemple, on rentre à 4000 HP. Et par exemple là les gars, vous avez plusieurs trucs. Là moi le principal pour train zone aim, c'est 1v1 go, vous appuyez ici. Moi ce que je vous conseille, si vous voulez train que la PM, vous prenez une PM, vous faites start. Ou sinon, les gars, vous avez juste à appuyer là, là. Moi c'est ce que je vous conseille le plus, hein. Tac. Hop. Start et en gros ça va faire pompe PM et là en gros vous êtes dans un petit truc comme ça, vous allez et vous 1v1. Vous avez pris 9 et bon, du coup là bon je ne le fais pas, mais je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Ensuite pour train votre aim, par exemple votre aim, hop. Là, vous appuyez là, glide truc. Vous prenez vraiment une hook, hop. Et puis là, en gros, le mec il va arriver. Bon, oh my god. Ah là, t'as capté, en gros, ça c'est l'aim d'un mètre, c'est l'aim de Cocteau. Wow, aucune balle, hein. Vraiment aucune balle. Ah, 2 balles, let's go, 3 balles, 4 balles. Et en gros, ça va faire chacun son tour comme ça. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le concept? Du coup, voilà les gars. Ça c'est bon après la map elle a plusieurs trucs, mais ça c'est les deux principales choses que je vous conseille. Mais c'est pour très bah, votre voilà votre aim au loin. Et il y a plein d'autres choses, vous comprenez. Ça c'est la première map que je vous conseille le plus pour train votre aim aux pompes et à la PM. Et en vrai les gars, ça vous traîne à fond en vrai de vrai. Je vous montre pas déjà ça va faire en sorte que vous ratez aucune balle à la PM. Après vous pouvez prendre l'arme que vous voulez. La deuxième map, je pense que tout le monde la connaît, c'est celle-là. En gros, je vais vous expliquer le concept. Le code sera en description. Et deux maps. En gros, c'est. Vous avez. Bah, en gros, vous avez un pompe. Vous intéressez. Et vous devez mettre. Il n'y a que les deux sacs qui passent, en gros. Il n'y a que les têtes. Bon, un striker. Hop, on commence. Il y a plusieurs personnes comme ça. Hop. Celle-là, c'est là. Ça tue pas. Oh mon aim, t'as vu ça, ça pue. What? En vrai, là, je vais le mettre à 185. Mais, faut vous mettre des balles en mode.
Je vais vous expliquer, regardez. Viens ta mère, chérie. Là, vous avez compris, j'ai une maison bâtie, il n'a pas perdu de vie. En gros, il n'y a que les têtes qui passent, c'est bon. Vous avez vu que voilà, là, il me met une tête, mais du coup, je suis mort. Vous comprenez? Ça, c'est la map qui va vous faire full train. Vous avez que des têtes au compte. Vous comprenez là, c'est ça? Vous avez compris, les gars? Donc, voilà. Ça, c'est les deux principales maps que je vous conseille. Si vous avez des questions, les gars, dites-moi les dans les commentaires. Je sais que je n'ai pas parlé. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est les deux principales maps que je vous conseille. Et après cela, les gars, vous aurez un aim de fou bâtard. Takato, pas dire match, vous allez rater aucune balle. Cette map et cette map, les gars, c'est vraiment les deux maps que je vous conseille que vous devez sécher, faire tous les jours. En gros, ben, y a que les 200 qui passent. Vous avez compris, vous avez un pompe. Et vous pouvez mettre que les 200. Si vous tirez dans le corps, ça fait rien. Ça fait aucun effet. Donc voilà. Et l'autre map, les gars, du coup, vous avez vu. Il y a plusieurs fonctionnalités. Moi, je vous ai dit les deux trucs qui vous traînent à fond. C'est à vous de jouer. Et puis voilà. Let's go.